J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau vlog. J'ai l'impression que je mets toujours le même pull en vidéo, mais c'est un de mes pulls préférés. Il est à la fois chaud mais qui fait pas transpirer. C'est un super bon pull. Il vient de chez Jennifer, donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site. Peut-être qu'ils ont remis en stock, mais je les ai achetés l'année dernière en solde. Et j'ai vu ça à New Yorker. En fait, ils en faisaient aussi à New Yorker, pour ceux qui sont en région parisienne, au Kremlin Bicêtre à Okabe, là où il y a le Action. Vous avez New Yorker qui propose la même chose à 14,99€. En kaki, en rose et en jaune moutarde, il était vraiment beau le jaune moutarde. Donc là aujourd'hui je vais vous raconter ce qui s'est passé ce matin. Donc ce matin j'ai eu TD à 8h, c'était vraiment hard parce que se lever à 6h30 alors que la veille on se couche à 3h du matin. Bon, ça fait 3h de sommeil, c'est pas terrible. Moi je suis une fille qui travaille beaucoup de nuit donc, et je dors beaucoup la matinée. Et je travaille plus rapidement la nuit, enfin je suis plus productive donc je me couche très très tard. Et je me lève vers 11h tu vois, genre je me couche vers 3-4h du matin, je me lève vers 11h. En gros c'est ça. J'ai fini mon cours à 9h30 donc c'est juste pour 1h30. Et après je suis allée donc à la banque pour déposer des chèques. Je suis allée à Action à acheter quelques petites choses que je vais vous montrer juste après. Et ensuite je suis allée faire les courses avec mon copain, donc je vais vous montrer tout ce qui est donc tout ce qu'on a acheté pour le mois. Donc en fait faut savoir que ce qu'on achète sur internet quand je fais mes courses en ligne Carrefour, c'est des basiques, des trucs hyper lourds que je prends voilà pour pas m'encombrer etc à Carrefour quand je fais quand j'y vais à pied. Et ensuite on va à la boucherie, on achète des fois de la viande à la boucherie. Ensuite tout ce qui est fruits et légumes, c'est que du marché. Je n'achète quasiment plus rien à Carrefour dans les fruits et légumes. Je fais que marcher les petits producteurs et je pense qu'il faut faire ça. Donc dès que vous avez un marché à côté de chez vous, allez directement là-bas. Ça coûte beaucoup moins cher, vraiment beaucoup 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 moins cher. Pour 25€ de fruits et légumes, j'en ai pour 2-3 semaines et ça tient très longtemps parce que mon frigo il a une technologie qui garde les fruits et légumes beaucoup plus longtemps que la normale. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc là, il nous reste encore des fruits et légumes de la dernière fois du mois d'octobre, pour vous dire. Je suis claquée, les gars, je suis claquée. Et après, on a un autre programme, on doit aller à Italie 2 pour aller chercher un jeu Switch, c'est Professor Layton qu'on avait précommandé. Et donc on va aller le chercher, on va regarder un peu ce qu'il y a à Kiko, parce que je sais qu'il y a des beaux rouges à lèvres à Kiko qui sont sortis. Donc j'avais envie de voir un peu ce qu'il y avait de nouveau. Et on est allé à la boulangerie aussi, donc de toute façon je vais tout vous montrer. Je vais d'abord vous montrer la boulangerie. Franchement la boulangerie, on y va à chaque fois. C'est tellement 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 bon. Je me régale, à chaque fois chez eux je me régale et c'est vraiment pas cher pour les étudiants. Que tu peux venir avec ton chien parce que ça donne directement sur la rue. T'es pas obligé d'entrer dans la boulangerie. Donc tu peux y aller avec ton chien. Moi j'y vais avec Birdie, ça lui fait sa petite promenade et tout, c'est super sympa. Et franchement ils sont des cheesecakes, je leur ai demandé si c'était eux qui les faisaient. Elle m'a dit ah oui 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 bien sûr, on est une boulangerie pâtisserie, enfin ce serait con d'acheter ça. Je dis bah oui, c'est pour ça que je voulais vous poser la question. Et non, c'est eux qui les font, les cheesecakes. Oh, ils sont bons. Donc mon copain s'est pris un sandwich. Donc la formule sandwich, dessert et boisson, c'est 6€. Donc moi, je me suis pris un petit wrap. J'ai pris du thon. Alors, faut savoir que moi, je suis allergique au thon. Mais la dernière fois, j'ai mangé un sandwich au thon, sans le savoir. Et j'ai pas eu de réaction. Donc quand j'étais petite, j'avais une réaction allergique. Mais là, j'ai l'impression que j'ai plus de réaction allergique. J'ai l'impression que c'est passé, tu vois. Et ensuite, nous avons pris du coca pour moi et un Fanta Citron pour mon copain. Et on a pris la même chose. Il m'a recopié le cheesecake au caramel. Mais c'est excellent. Après, c'est dommage qu'il m'ait mis une petite cuillère en plastique dans le truc en plus. Sauf que les cuillères, bah j'en ai. Donc ça, c'est pas pratique, ça. Mais franchement, c'est délicieux. Vraiment, c'est délicieux. Handicapé. T'as pas d'âme et tu voles la carte d'un handicapé. Ah mon dieu, non mais ces gens, mais quand le karma les emporte en enfer, je te jure. Voler une carte handicapée, c'est bien. C'est bien, c'est pratique pour les handicapés maintenant, comment on fait, hein. Bande de couillons. Putain, mais ces gens, franchement, j'en parlais la dernière fois de l'irrespect des gens, mais là c'est même pas irrespectueux, c'est immoral. Je suis passée aussi à la librairie pour m'acheter mes petits livres et j'ai découvert une autre petite série collector que j'aime bien. Alors j'ai pas le numéro 1, mais il faudrait peut-être que j'aille me renseigner. Donc j'ai pris celui-là de livre, c'est un livre en fait avec des énigmes à l'intérieur, je trouve ça vachement bien. C'est leur série numéro 2, mais il faudrait voir sur leur site s'il y a le numéro 1. J'ai pris bien évidemment les Trésors du Picsou, la série de octobre. J'adore, vraiment j'adore, je me lasse pas, je les lis en 3 secondes. Et j'ai pris ça pour continuer dans la suite de ce que j'achète. Je vais vous montrer en fait, sur Vinted j'avais acheté le 210 parce qu'il me manquait le 210. Et là en fait je vais juste finir la petite liste, après je m'arrêterai.
Et les trésors de Picsou, bah c'est là. Mais franchement, je les aime trop. Je les aime beaucoup trop. Alors pour la viande, on a pris ça, on a pris des cuisses de poulet. C'est la nouvelle agriculture. À ce qui paraît, c'est super bon. Enfin, mon copain, il adore cette marque-là. Donc ça coûte 2,41€. C'est pas cher pour ce que c'est. Et c'est une très bonne marque, à ce qui paraît. Donc c'est né, élevé et préparé en France. Nourri sans OGM. Sans traitement antibiotique. Donc ça, c'est une très bonne marque. Donc si vous avez l'occasion d'aller à Carrefour, n'hésitez pas à les tester. Ensuite, on a pris ça, c'est le charal. Ça, je l'avais acheté au mois de mars de 2019. Et ça m'avait vraiment bien tenu. Il me congèle et j'ai fini ça il n'y a même pas 2-3 mois. Donc franchement, ça me tient bien. 7 euros, les 6 steaks, c'est vraiment pas mal. Et j'aime bien parce qu'en fait ils sont bien emballés, donc pour congeler c'est pratique. Ensuite on a pris de la viande bovine à 10,85€. Pris ça, c'est des wraps au dépasso, il y avait moins 30%, c'était à 2,41€ les 6 wraps. Et on a pris avec quoi aussi? On a pris ça, c'est des crêpettes. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est trop bon. C'est des petits fromages à l'intérieur, c'est super bon. Ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé ça, donc j'en ai repris. Je me suis dit, vas-y, on va tester. Ensuite, j'ai repris de la soupe miso. Donc, c'est 3 portions individuelles. Elle est très très bonne, cette soupe miso. Elle a coûté 3,35€. Ensuite, j'ai pris beaucoup de yaourts parce que moi, je me nourris de beaucoup de yaourts. Donc, j'ai repris les sodas laitières avec voilà, les yaourts, les basiques à chaque fois que je vous montre. On a pris ça, c'est des Gervita. Je ne connais absolument pas. Ce qui est vrai, il y a de la mousse dessus. Donc, écoutez, on va tester. Mon copain, il aime ça. Donc, je lui ai pris ça. J'ai pris ensuite de la sauce soja sucrée. Parce qu'il ne nous en restait plus pour faire les préparations. J'ai pris aussi du jus d'orange, le Tropicana avec pulpe. Et des gâteaux comme ça, j'en ai pris 3 comme ça parce que le troisième était offert. J'ai pris ça. C'est une sauce forestière charal, je ne connais pas, enfin j'ai jamais vraiment goûté, donc c'était l'occasion. Ensuite mon copain il a pris ça, c'est des perles de lait mangue passion. J'ai pris, alors là j'ai pris énormément comme vous pouvez voir d'Andros. La dernière fois j'avais pris juste, je crois que c'était pêche, et j'ai trop aimé, franchement j'aime trop ce genre de compote, j'adore ça, vraiment c'est super bon. Et donc c'est là jusqu'au 18 janvier 2020, donc ça dure extrêmement longtemps. Donc j'ai pris à la fraise, donc chacun des trucs a un prix différent. Les fraises c'était les plus chères. Donc j'ai pris à la fraise. J'ai pris à la nectarine blanche. J'ai pris à l'ananas. J'ai pris à la rhubarbe. Ça j'ai jamais vraiment goûté la rhubarbe, mais bon, on va tester hein. Ensuite, je crois que c'est tout, hein, c'est déjà bien. J'ai pris des petits pots de crème au chocolat. J'ai, donc voilà, ça c'est le troisième. J'ai repris du kiri. Voilà, j'aime bien. Après, ils ont fait... Ah, ça, je l'avais pas vu. C'est ce que j'allais vous parler, en fait. Vous voyez le petit pot, là, kiri, ben, c'est 15€ le kilo. Alors que les kiri comme ça, là, c'est 9€ le kilo. Donc, allez savoir pourquoi. 40 centimes de réduction, ça me le ferait à 1,60€. Les 150 grammes. Alors que ça fait... 432 grammes et c'était 4€. Donc bon, c'est pas très 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 rentable. Ensuite, on a pris du tartare ail et fines herbes. Ah, on me dit bien aussi, c'était pas fini. J'ai pris poire Williams. Donc comme ça, on est vraiment pas mal. Alors là on est paré. Hein. J'ai pris des liégeois. Donc comme vous pouvez voir, en fait, moi je mange beaucoup, 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 beaucoup de yaourt. C'est ce que je mange au quotidien. Je mange très 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 peu de viande. Et vraiment, ce qui me cale et que j'adore manger, qui fait pas trop grossir, bah, c'est le yaourt. Voilà, je me nourris de yaourt. Je me nourris aussi de fromage, etc. Donc les produits laitiers, moi je peux pas en passer, vraiment pas. C'est tout pour Carrefour. Hein. Donc on en a eu pour 80€, je crois, pour tout ça. Il n'y avait pas de promotion particulière à part ça et les Old El Paso. Il n'y a pas trop de promotion, donc on a acheté ça. Voilà, c'est les yaourts surtout qui coûtent cher, et la viande, elle coûte vraiment très très cher. Ensuite, à Action, j'ai donc acheté ces petits rouleaux de papier cadeau. Donc là, j'ai pris un noir et un vert. J'ai pris pas mal de choses parce que je vais faire un énorme cadeau. J'ai pris à Action des feuilles, il me fallait ça et je vais passer pour acheter ça parce que j'ai plus de feuilles pour imprimer mes cours. J'ai acheté 3 fois des galantes comme ça, c'était 77 centimes. J'en ai pris 3 comme ça pour pouvoir faire des petites lumières dans la maison. C'est sympa, j'adore ce genre d'ambiance en fait. J'ai pris ensuite... Ah oui, ça c'était super mignon. J'ai pris ça en fait. Enfin, dommage que ce soit passé, tu vois, l'automne. Enfin, le côté un peu automnal. Mais tu vois, si tu fais des bullet journal ou je ne sais quoi, bah t'as des petits stickers comme ça, des petites citrouilles. C'est super mignon. Ça c'était 59 centimes. J'ai pris ça aussi. Ah bah voilà, ils sont derrière les stickers. Il y a plein de petits stickers comme ça, avec des cactus et tout. Donc moi j'ai beaucoup aimé, donc j'ai pris ça. Qu'est-ce que tu fais, Bichette? Non.
Il a senti la viande. Pff, je vous jure, il me manque vraiment pas les gosses. J'en peux plus de ces gosses. C'est impossible de filmer en fait. Ça me saoule. Ça me saoule de fou. Ah, action, j'ai donc acheté. Ah, il en manque un. Il est là. J'ai donc acheté pour mettre sur le gros cadeau en fait des nœuds comme ceci. Donc deux noirs mat effet velours et un brillant pour pouvoir le mettre sur le gros cadeau, on va dire. Je vais vous montrer ça dans les vlogmas. Ensuite, j'ai pris donc encore une guirlande et je crois que c'est tout. Donc là après on va aller à la place d'Italie, on va aller un peu se promener, donc je vais pas vous filmer ça parce qu'on va passer un peu de temps ensemble, ça fait longtemps. Ouais, on va prendre le petit jeu Professeur Layton, on va jouer à ça ce soir, ça va être cool. Et voilà, je vous retrouve juste après. Mais voilà pour mon petit retour des courses. On a oublié de vous montrer ça, on a acheté du shampoing pour fêter la vente du canapé, même si ça fait un mois. On veut le fêter encore avec le shampoing, voilà. Et puis pour nos 7 mois, tous les deux. Il est original. Et nos 8 mois. 15h42, on va se bouger le fion parce qu'on a plein de choses à faire. Faut que j'aille voir à côté de chez moi, il y a un coiffeur. J'aimerais bien voir avec eux pour ma coupe de cheveux, pour ma coloration. Voir si je suis allergique ou pas à leur truc. Mais je serais sûrement allergique, je suis hyper blanche. Hein, c'est... Et après on va à Place d'Italie. À la Place d'Italie, je sais pas si vous avez dit, mais il y a un stand de Cabaya. Cabaya, c'est la marque de sac à dos que je vous ai présenté, qui est une extrême bonne marque de sac à dos. Et je me souviens qu'à la fac, il y avait une fille qui portait un sac Cabaya. Elle s'est retournée, elle m'a vue, elle m'a reconnue. Et en gros, la meuf, elle est venue me voir, elle me fait « Ouais, j'ai acheté le sac et tout, parce que tu nous l'as montré et tout, il est trop beau, j'aime trop ce style et tout, tu vois. » Bah, si vous voulez les voir en vrai, ou pour les Parisiens, vous avez le petit stand à Place d'Italie à côté du Pinky. Donc voilà, on va se dépêcher, on est craqué, on a envie de dormir, mais si on dort là, on va plus pouvoir dormir cette nuit quoi. Petite sieste, on y va. Allez, j'ai complètement zappé de vous montrer ça, ça vient de chez Action, donc c'est un tote bag Action, il coûte je crois dans les 70 centimes, il est archi beau, genre il est hyper grand, j'essaie de vous le montrer, il est comme ça. Après ça sent vachement l'industrie, hein. Mais il est hyper bien, donc je l'ai pris. Donc on vient de rentrer, on a acheté ça à beau papa et belle maman, enfin aux parents de mon copain. Ah non, faut pas que trop que j'appuie sur les cases. Donc on a acheté un calendrier de l'Avent chocolat pour belle maman, il est trop beau. Genre le... s'il y a des effets dorés et tout, genre il est vraiment trop joli. Et pour beau papa, hein, on lui a pris voilà, quelque chose à son honneur. Donc en fait c'est des chocolats si j'ai compris, en forme d'alcool. Je crois qu'il y a de l'alcool à l'intérieur, hein, je pense. Hein. Non, c'est pas drôle. Donc c'est archi bien fait. Genre, il y a un chocolat qui ressemble à ça, quoi. Donc, je trouve ça trop bien fait. Donc c'est pour ça qu'on lui a pris ça. Et voilà, ça leur fera un petit calendrier de l'avance. Alors on mettrait un peu de magie de Noël au mois de décembre, quoi. On a le petit professeur d'été. Donc on va jouer à ça toute la soirée. T'en penses quoi, tu check? Ouh, t'aimes bien le calendrier avec l'alcool, toi. Hein. Ouh là 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 là, le calendrier avec l'alcool. Non, c'est pas pour ta chiquette. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne. Juste si c'est sûr, parfait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bah oui. Oh là là, t'es cala maman. Ouais.